retrouve avec une sale tête. Je suis désolée. J'avais stage aujourd'hui, etc. Et quand je me suis levée ce matin, je me suis préparée quand même et tout, mais genre j'avais super mal à la tête quand je me levais, genre des vertiges, mal au ventre. Et là j'ai toujours mal à la tête et mal au ventre. Du coup j'ai hésité à vlogger. Puis je me suis dit bon allez, peut-être que ce sera un court vlog ou s'il est nul je ne mettrai pas. Du coup voilà, là-bas je m'étais maquillée et tout, ça ne servait à rien. Je m'étais dit je vais y aller quand même. Je m'étais préparé ce que j'allais manger et tout. Et au final, vu qu'à chaque fois que je me levais, ça faisait comme la tête qui tourne, même quand je suis allongée. J'avais l'impression de genre de bouger, d'être dans un bateau, je sais pas, c'était trop bizarre. Voilà. Du coup, là il est 10h. Je me suis dit je vais ouvrir les volets, tout ça quand même, me poser sur le canapé et arrêter de dormir dans le lit, même si ça fait du bien. Je me reposerai sur le canapé de façon à midi. Il y a le gars pour le radiateur qui doit venir normalement. Et voilà. Bon, ça va pas être une journée hyper intéressante, pas très productive. En plus, il y a le gars du radiateur et tout. Ensuite, sûrement mon papa et maman qui viennent pour nos dressings. Donc, bref, ça va être. Je vais pas pouvoir trop filmer. Donc, on verra bien. Hop, j'ai un petit coup la chambre. En plus, je sais pas trop ce que j'ai. Donc, si jamais je suis un peu malade, c'est mieux. Puis, je préfère quand il fait frais dans une chambre. J'aime pas du tout sinon. Puis voilà quoi. Rien de très intéressant à vous raconter. J'ai pas vlogué du coup hier. Parce que, comme je l'avais déjà dit, le dimanche et le mardi, en ce moment, je vlogue pas. Et du coup, samedi soir, on est sorti. Et j'ai vu plein d'abonnés en boîte. Donc, c'était cool. Voilà. Que dire de plus? Bon, d'être sur l'ordi, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand t'as mal à la tête. Mais je sais pas vous, mais moi même quand je suis malade, en fait je déteste me dire j'ai passé la journée à dormir dans mon lit et j'ai rien fait. C'est un truc que vraiment je déteste. Et je suis pas souvent malade ou pas souvent pas bien. Enfin, ça arrive un petit mal de tête comme ça quand je suis fatiguée et tout. Mais là, c'est pas juste un petit mal de tête, je le sens très bien. Donc du coup voilà, ça me saoule un peu, j'aurais préféré être en stage. En plus là aujourd'hui j'étais pas dans mon service normal, j'étais dans un labo, donc mais j'y suis encore demain, donc ça va, mais je me dis je loupe un jour de ça quoi, c'est un peu relou. Mais bon, si c'était pour être là-bas et dormir à moitié ou pas pouvoir écouter ou pas pouvoir faire des choses, autant se reposer. Donc bref, je me suis occupée des vlogs là, et du coup le dernier vlog, mais il était tellement long, il faisait enfin, il faisait plus de 30 minutes, je l'ai coupé en 3 vlogs. Donc ça je me dis, j'ai pas vlogué dimanche, je vlog pas mardi, comme ça les jours où je vlog pas. Mais là du coup j'ai pris genre taquet d'avance dans les vlogs, donc vous allez être un petit peu en décalé. Mais bon, c'est pas si grave et puis le retard va vite se rattraper je pense. Donc voilà, là je faisais les miniatures, je les publie sur YouTube et c'est tellement la vie, comme ça se publie vite. Et je crois que Final Cut Pro il se trouve toujours pas. Enfin en tout cas j'ai monté du coup les vlogs avec iMovie. Il y a des trucs, j'ai l'impression que j'arrive pas à les faire, comme avec Final Cut Pro, vu que iMovie c'est un peu moins bien. C'est vrai que je désinstalle Final Cut Pro et je le réinstalle, sauf que je l'avais craqué en fait. Et à la base c'était Sunday Jules qui m'avait donné un lien pour le télécharger. Et c'était pas, t'avais pas besoin de faire plein de manips et tout, t'avais juste à faire le lien télécharger, c'était bon. Mais ce lien ne marche plus bien sûr. Du coup là je vais essayer de rouvrir, mais donc après il faudrait vraiment que je le désinstalle, je le réinstalle, c'est un peu relou, même carrément. Mais bon, pour l'instant voilà, je me contentais d'iMovie, même si c'est pas terrible terrible. Bon alors, le radiateur est changer, donc normalement on repeint les tuyaux. Là ils font le dressing, enfin ils coupent les planches et tout. Mais là c'est l'heure du goûter. Hello, bon c'est parti. Bon voilà, je continue avec le vlog d'hier parce que j'ai quasiment rien filmé et aujourd'hui ça va être sûrement à peu près pareil. Là je suis pas encore super en forme, pourtant j'ai beaucoup dormi, je me suis couchée vers 21h30, 22h et je me suis levée à 6h. Je ne comprends pas trop. Hier je me suis, du coup je me suis rendormie, je me suis levée vers 10h. Je suis pas encore trop en
Et je sens encore que je suis un peu comme hier. Bon bref, on verra bien. Si ça va mieux après, ce serait bien. C'est pas autant qu'hier, mais j'espère que ça ira mieux dans la journée quand même, parce que comme ça, c'est pas le top. Bon, me voilà arrivé. Ça va, il fait 8 degrés en vrai ce matin. Par contre, il y a une dame qui est en t-shirt. Il fait 8 degrés, il pleut un petit peu, elle est en t-shirt. Tout est normal. Mais ouais, du coup, il pleut et tout, il fait trop moche. Et mon parapluie, bien sûr, est chez moi, voilà. Donc là, je suis assez en avance, 7h45, je prends 8h15. Tout simplement parce que je vais pas dans mon service habituel et que donc je sais pas où c'est, donc que je trouve où c'est, que je me change, blablabla. Donc voili voilou. J'ai tellement envie de rester en voiture là avec le petit air chaud qui souffle, ça fait tellement du bien. Oh là là. Mais bon, il va falloir y aller. Voilà. Et du coup, je voulais prendre ma doudoune parce qu'elle a une capuche, tout ça. Enfin, je savais pas qu'il allait pleuvoir avant. Je voulais juste prendre ma doudoune parce que j'ai envie de prendre ma doudoune. Et je sais pas, je l'ai pas trouvé. Du coup, j'ai vite fait pris ce manteau qui est en laine là. Mais j'ai une capuche avec ma veste, mais si je la sors de... Enfin, à mon sweat, mais si je la sors, ça va faire extrêmement bizarre. Mais là, il a l'air de plus trop pleuvoir parce que les essuie-glaces marchent plus. Alors que tout à l'heure, ça pleuvait. Là, ça a l'air des mini gouttes. Et encore, je sais même pas si on va encore. Donc, ça va. On va encore me dire, ah, bah, tu parles de 10 minutes dans ta voiture. Oui, mais je parle là maintenant, comme ça, après, sur mon trajet, je mets les mains dans les poches. Alors que si je vous avais dit la même chose en parlant dehors, on m'aurait rien dit. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc je vais y aller. Let's go, c'est parti. Et puis je vous vloguerai sûrement un petit peu dans la voiture, bah encore, en rentrant. Et sinon, je pense pas que je vais vlogger plus que ça. Donc je vous laisse et à toutes. Hello, je vous retrouve dans la voiture. Bon, bah, comme d'hab, je suis sortie en retard, mais ça devient une habitude. Donc voilà, c'est parti, je rentre à la maison. Je vais vite rentrer. J'ai trop faim, genre. J'ai racheté une barre de flan à midi tellement j'avais faim. Et là j'ai encore faim. Et voilà. Je suis fatiguée un peu en plus demain matin. Je suis bah, de matin. Donc je commence très tôt. Je commence à l'heure à laquelle je me lève quand je suis de journée quoi. Donc c'est tôt. Donc il va falloir que je me couche tôt. Hop, c'est bon. Je suis arrivée. Puis voilà, je vais couper. Je sais pas si mon copain est là. Mais il y a moyen qu'il soit là. Je vais guetter aussi à le courrier pendant que j'y suis. Je sais pas s'il y aura du courrier, mais bon. Ne sait-on jamais, parce que sinon mon copain, je sais qu'il regarde pas. Donc, voilà. Je sais pas si je vais filmer après ou pas. Ou pas de moi. Un jour, peut-être. Hello, me voilà par l'ascenseur. Nous sommes mercredi. J'ai rien refilmé hier soir. Rien fait de fou. Puis comme je commençais tôt, franchement, je me suis couché super tôt. Enfin, vers moins de 22h. Mais bon, j'aurais bien voulu dormir un peu. Donc ce matin, on va un peu plus tard que ça, bien sûr, mon père vient avec Lily. Elle vient pour faire le dressing et du coup, il emmène la mulette. Et ma mère nous rejoint, enfin, les rejoint parce qu'elle finit avant moi. En sortant du boulot, elle finit à 14h et elle et moi, je finis à 14h30, donc je la rejoindrai après. Donc à la base, je voulais aller à la salle de sport, Stav, et filmer une vidéo. Mais du coup, il y aura mes parents qui feront le dressing, donc pour la vidéo, je peux oublier. Puis la salle de sport, du coup, s'il y a Lily, je vais peut-être plutôt profiter d'être avec la Lilette. Ça va être cool. Donc voilà. Bon, bah voilà, j'ai même pas mis 10 minutes pour venir. Franchement, c'était hyper rapide. Et à cette heure-là, il y a une place sur un parking encore. Oui, j'avais mis le chauffage et tout. Il y a une place sur un parking plus près que celui où je vais d'habitude, donc ça, c'est cool. Donc voilà, voilà. Je suis plutôt... J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde genre, qui va me gêner. Je crois que je vais sortir, mais bon, j'aurais dû me mettre en marche arrière finalement. Mais tant pis, allez, let's go, c'est parti. Hello, me revoilà. Matinée terminée. Je n'ai pas fait énormément de choses ce matin, mais j'ai réussi pour la première fois un gaz du sang. Et peut-être pour la musique. Et en fait, c'est un externe qui est venu me chercher, qui m'a dit « Ouais, tu vas essayer et tout ?» J'ai dit « Bon, allez, qui ne tente rien à rien. » J'ai tenté, j'ai réussi pour le premier coup. Donc voilà, c'était vraiment un des trucs que j'avais peur de faire, parce que faut, bon, si vous connaissez pas c'est un peu compliqué, mais faut sentir le pouls parce qu'il y a l'artère en dessous et piquée, en fait tu la vois pas, c'est pas comme les prises de sang où tu vois ta veine, donc c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi. Donc là je vais rentrer à la maison, je vais voir, normalement il y a Lily et mes parents donc qui sont en train de faire le dressing. Voilà, du
coup, je vais pas croiser mon copain parce qu'il reprend à 15h, donc c'est un peu bête. On se croise sur la route, mais on se verra pas. C'est un peu nul, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je rentre à la maison et sûrement que vous verrez Lily dans le vlog du coup. En la voleuse de DS. Pourquoi tu m'as dit quoi? Toi, tu me voles ma DS. On n'entend rien que le bruit dehors. Hello, je sais pas si vous entendez grand chose parce qu'il y a du vent. Je suis avec bébé Lily et on va acheter quelques trucs. On va passer du coup au Lidl parce que c'est le plus près à pied. Voilà. Regarde le mur à gauche. Là. Enfin, je suis quoi? T'es pire qu'une quiche. D'accord. J'ai oublié mon portefeuille chez moi. Voilà, quand je vous dis que j'oublie toujours un truc avant de partir. Voilà, je suis rentrée chercher le portefeuille. En plus il y avait le gars de la douche qui était là pour voir un truc dans la douche. Du coup il m'a fait perdre mon temps. Pour rien en plus il est venu du coup finalement. Et voilà, les courses sont là, je n'ai pas acheté grand chose. J'avais juste besoin genre des cotons, du lait, du jus d'orange. J'ai repris genre des champignons et du pain. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon? C'est bon?